La fascination pour le verre, c'est vraiment le travail à chaud. C'est une pâte qui est en mouvement, qu'on ne peut pas toucher. Elle bouge, elle réagit vraiment d'une façon pas commune par rapport à une autre matière. Et ça, c'est assez magique. C'est toujours joli quand on est dans la flamme. On n'a vraiment pas l'aspect du verre qui est coupant, cassant, qui est froid. Au contraire, il est très tendre, très malléable, un peu comme du caramel ou de la pâte à modeler. C'est un peu comme du dessin. Au lieu d'avoir des crayons de couleur, on a des baguettes en verre. Ça reste étonnant pour moi. C'est assez magique quand le verre devient liquide, que la matière se transforme. C'est une matière assez mystérieuse pour moi. Ça fait 20 ans cette année que je travaille le verre. Très tôt, j'ai eu envie de travailler le verre. 17-18 ans, j'avais envie de faire quelque chose de manuel. J'ai commencé par faire un apprentissage. Après, j'ai travaillé chez un autre verrier. Puis après, j'ai repris mes études. Je suis venue à Bourges pour faire l'école d'art. C'est toujours un plus, en fait. Ça donne une culture artistique, ça donne des lignes, une esthétique. Donc, il faut tout le temps que le verre reste dans la flamme. Il faut que ma pièce, elle reste suffisamment dure pour ne pas se déformer, mais assez chaude pour ne pas casser. Alors là, je chauffe bien pour bien faire fusionner les couches de verre entre elles. Je préchauffe ma canne de soufflage et ma baguette de verre. Je vais venir souffler une bulle qui va me servir pour mes décors ensuite. La première fois que j'ai fait un stage chez un souffleur de verre et que je l'ai vu travailler, je me suis dit « oh, facile ». Quand j'ai pris la canne dans les mains, j'ai compris qu'il allait me falloir du temps avant de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai commencé par le verre à la canne et après, j'ai appris le travail du chalumeau, qui est un travail plus intimiste où on peut travailler tout seul. C'est assez minutieux et assez délicat et en fait, ça me correspond. Depuis quelques temps, je travaille sur des choses plus en volume, plus de l'ordre de la sculpture. Je fais des bijoux depuis longtemps et j'ai envie de pouvoir avoir plus de surface pour m'exprimer. Ça fait longtemps que je travaille le verre, je me vois pas faire autre chose. Ça reste encore fascinant après toutes ces années. J'ai 39 ans et si je devais refaire mon histoire, je pense que je referais la même.